Bonjour, bienvenue chez les Éconoclastes. Nous avons le plaisir de vous présenter un nouveau groupe de réflexion multidisciplinaire dont l'objectif sera simple, vous donner des arguments clairs, limpides et que vous ne pourrez pas retrouver dans le mainstream afin que vous puissiez vous construire des scénarios et être en mesure, en capacité de mieux décrypter l'actualité économique qui nous entoure. Nous avons souhaité nous réunir au sein de ce think tank de façon à démocratiser l'accès à l'information économique et géopolitique, de permettre au public d'avoir accès à une information donnée sans parti pris idéologique, sans biais, avec intégrité, de façon à ce que chacun puisse se faire sa propre opinion. Nous allons travailler sur quatre principaux axes. Le premier, c'est la démocratisation des concepts économiques. C'est mettre en lumière certains paradoxes sur lesquels la plupart des analystes passent allègrement et qu'il faut mettre en lumière et qu'il faut essayer de confronter à des réalités qui souvent ne sont pas celles qu'on vous présente. La deuxième chose, c'est l'analyse financière. L'analyse financière et économique et macroéconomique et géopolitique et politique, et essayer de vous donner une autre vision des choses. La troisième, c'est la prospective, c'est-à-dire mettre en place un certain nombre de scénarios qui vous permettront d'anticiper les choses un petit peu mieux que maintenant. Et la quatrième, ce sont les solutions. On va essayer de trouver ensemble des solutions pour défendre vos patrimoines, pour vous expliquer comment vivre dans le monde qui nous attend. Donc vous l'avez compris, nous avons décidé de réfléchir sérieusement, mais en nous interdisant de verser dans l'esprit de sérieux et de dispenser des vérités révélées. Nous, notre credo, c'est l'expérience de terrain. Nous avons eu les uns et les autres la chance de beaucoup voyager, de nous immerger dans des réalités économiques et géopolitiques très hétérogènes. Nous en avons remonté des expériences que nous avons confrontées. Nous en sommes parvenus à des conclusions souvent déconcertantes. C'est cela que nous espérons partager avec vous. Mais partager, ça veut dire aussi accueillir de nouveaux profils, de nouvelles compétences. En d'autres termes, les éconoclastes s'enrichissent de leurs différences. Retrouvez-nous sur leséconoclastes.fr.